Okay. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Yacine. Bonjour Gervé. Bonjour à tous. Bonjour Slimane. Bonjour Yacine. Bonjour à tous. Bonjour Katin. Bonjour Gélix. Bonjour Yacine. Bonjour Karine. Bonjour, est-ce que vous nous entendez? Très bien, moi je vous entends. Le son est sur mute, donc on ne vous entend pas. Oui, je vous entends très bien. Souleymane, moi j'entends très bien. Voilà, bonjour tout le monde. Ah bonjour. Voilà, bonjour. Bonjour Karine, on t'entend très bien. Ok, merci à tous d'avoir répondu présent à la participation à ce premier webinaire de la société Rightcom qu'on ne présente plus. Donc, pour rappeler à tous, la thématique d'aujourd'hui est pourquoi investir dans l'expérience client entre contraintes et nécessités. Et nous allons particulièrement regarder le cas des grandes entreprises et discuter avec eux de différentes thématique relative à cela. Donc, juste pour rappel à tous ceux qui nous écoutent, qui sont connectés, vous avez la possibilité de participer à ce webinaire à partir des différentes plateformes de Rightcom. Donc, vous pourrez aller sur la page YouTube, la page LinkedIn et la page Facebook pour suivre en live cet audio et participer en posant des questions ultérieurement. Bienvenue à tous une fois encore. Je vais me présenter. Donc, je suis Yacine Biochane, je suis une économiste béninoise qui travaille principalement dans le secteur financier. Dans le cadre de mes activités, je suis amenée à conduire beaucoup d'études et à faire de la veille également sur les marchés, principalement d'Afrique francophone. Le dynamisme du secteur financier, l'utilisation des produits financiers et donc la relation entre les clients et les institutions financières. Donc, je suis très ravie d'être aujourd'hui parmi vous et je suis encore plus ravie d'être en très bonne compagnie avec des experts de l'expérience client qui ont travaillé dans divers domaines et qui continuent de le faire d'ailleurs, notamment dans les secteurs bancaire, dans les telcos, les télécommunications et également mais dans les, je dirais, nouvelles technologies. Donc, je suis aujourd'hui en compagnie, je vais commencer honneur aux dames de Karine Doré, qui est directrice expérience client Moyen-Orient et Afrique de la société Orange. Bonjour Karine. Ok, je ne reçois pas Karine, mais je vais avancer et voir si on peut l'entendre un peu plus tard. Également de la société Orange, nous sommes en présence de Écartet Bousson, qui est Senior Manager Expérience Client à Orange Côte d'Ivoire. Rebonjour Écartet. Bonjour Yacine. Ok. Et ensuite, Souleymane Koulibaly, qui est un expert spécialiste en expérience client en Afrique. Bonjour Souleymane. Bonjour Yacine. Et enfin, Gerlix Abitou, Head of Sales à Rightcom. Bonjour Yacine, bonjour à tous. D'accord. Alors, merci à tous encore d'être là et nous anticipons des échanges très intéressants sur la thématique. Donc, je vais présenter rapidement l'agenda. Nous allons commencer par une brève introduction avant d'aller à la discussion elle-même. Donc, nous allons nous focaliser sur principalement quatre thématiques et des partages d'expérience. Donc, la première thématique portera sur
pourquoi est-ce une priorité d'investir dans l'expérience client. Ensuite, nous parlerons des problématiques nées de la COVID-19 et des solutions de gestion d'expérience client qui répondent. En troisième thème, nous aurons l'impact réel des investissements dans les solutions orientées expérience client et comment mesurer les effets. Et enfin, nous aurons un focus autour des avancées technologiques orientées expérience client avec des exemples concrets d'implémentation de solutions et de parcours. Et enfin, nous aurons un partage d'expérience ou plutôt une étude de cas autour de l'investissement dans le service de l'expérience client. Après les interventions, nous aurons une discussion guidée autour de certaines questions. Nous aurons une séance de juste avant la séance, nous vous permettrons d'envoyer des questions que vous avez au panel ou des commentaires pour faire votre Et enfin, on va clôturer le séminaire. Excusez-moi, je ne sais pas pour les autres. Là, j'ai l'impression qu'il y a de l'écho. Est-ce que c'est pareil, tout le monde? Déjà, est-ce que je peux demander à tout le monde de couper son micro, s'il vous plaît? Voilà. Si vous coupez vos micros, déjà, on n'a plus de son qui passe. OK, c'est bon. Là, l'écho est parti. OK, d'accord. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, je me suis un peu amusée il y a quelque temps à faire une comparaison que j'ai trouvée très intéressante. J'ai d'abord regardé dans la liste des classements des marques les plus admirées en Afrique francophone principalement, et j'ai remarqué que les marques qui, je dirais, étaient pour la plupart effectivement de grandes entreprises nationales, internationales, privées, publiques, mais les grandes entreprises dominaient les classements des marques les plus admirées par les populations en Afrique francophone. Et ensuite, j'ai fait un exercice aussi amusant, c'est d'aller sur les plateformes de ligue de consommateurs et de voir un peu sur quoi est-ce que les discussions portaient. Et c'était intéressant de voir que la plupart des discussions négatives ou des retours d'expériences négatives portaient sur ces mêmes grandes entreprises-là. Donc, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais ce qu'on remarque, c'est que autant les grandes entreprises ont les moyens d'être visibles et de se faire connaître et de se rapprocher de leurs clients, autant on note un manque de satisfaction de la part de beaucoup d'utilisateurs. Et cela a même été prouvé avec des statistiques où une étude a montré que lorsqu'on demande aux grandes entreprises comment est-ce qu'ils appréciaient l'offre de leur expérience client, à quasiment 80%, ils sont satisfaits, ils trouvent leur offre excellente. Mais lorsque, en retour, on demande aux utilisateurs des services et des produits de ces entreprises-là, comment est-ce qu'ils apprécient l'offre, l'expérience client, on a un retour beaucoup, beaucoup moins satisfaisant. Donc, quasiment à moins de 10% qui estiment être satisfaits de l'expérience client qu'ils reçoivent. Donc, ce gap nous indique qu'il y a un problème. Il y a un problème, d'une part, en termes des efforts qui sont faits par les grandes entreprises, qui n'est peut-être pas adéquat à la demande et aux exigences des consommateurs. Donc, pourquoi investir dans l'expérience client? Je vais être très factuelle et donner quelques exemples basés sur différentes études qui ont été faites en Afrique et à l'international, donc sur l'importance d'une bonne expérience client. La première, un des premiers retours est que une bonne expérience client génère la fidélité de la marque. Donc, on a 86% des consommateurs qui ont reçu une excellente expérience client sont susceptibles de refaire affaire avec cette entreprise-là. Ensuite, on a
le bouche à oreille. Donc, les clients qui ont reçu une excellente expérience client sont 11 fois plus susceptibles de recommander l'entreprise que ceux qui ont connu une mauvaise expérience. Ensuite, on a les effets sur la croissance du chiffre d'affaires. Donc, une étude montre que les leaders en expérience client ont constaté une croissance annuelle moyenne de 17% comparativement aux entreprises qui ne focalisent pas leur effort sur l'expérience client, qui n'ont remarqué qu'une croissance de 3%. Et enfin, on a la fidélisation de la clientèle. On a les nouveaux clients, les nouveaux clients coûtent entre 5 et 25 fois plus cher que la fidélisation des clients existants. Donc, ceci étant, aujourd'hui, principalement à l'ère de la COVID, où tous les comportements ont été bouleversés et toutes les attitudes ont été modifiées à cause des exigences sanitaires, économiques, sociales qui ont découlé de cette pandémie internationale, on remarque qu'il y a des changements. En Afrique, je vais donner un cas au Bénin, par exemple, on a remarqué une très grande hausse des transactions en ligne, par exemple, des achats en ligne et des transactions financières à distance. Et ça, je pense que ça a été un constat qui s'applique à plusieurs pays d'Afrique et également à l'international. Donc, aujourd'hui que les modes d'interaction ont changé et que nous avons des consommateurs de plus en plus aguerris, de plus en plus exigeants et qui sont plus sensibles à la manière dont ils interagissent avec leur prestataire ou leur partenaire, il y a lieu de se dire que l'expérience client doit revenir ou venir au cœur des investissements que les entreprises font. Donc, étant donné que les modes d'interaction ont changé et qu'on remarque une montée également du digital et de l'utilisation des réseaux sociaux, on encourage de plus en plus les entreprises à développer de nouveaux canaux d'interaction avec leurs clients, que ce soit les premiers clients ou dans une quête de fidélisation de clients, et à accélérer les différents investissements qu'ils font en termes de produits et surtout en termes de produits innovants en utilisant des technologies accessibles à tous et pouvant atteindre les cibles qui sont visées. Donc, voilà un peu le contexte que je voulais planter avant qu'on entre dans la discussion. Juste rappeler qu'à l'ère en Afrique où, comme j'ai dit, le digital est en pleine montée, on a certainement... on remarque qu'il y a, il y a un léger retard dans l'adoption de nouvelles technologies, que ce soit au niveau des banques, quand on regarde le nombre de banques qui ont des sites web ou qui permettent l'Internet banking ou qui permettent d'utiliser les GAB ou les DAB, ou même dans d'autres secteurs où la technologie n'est pas encore de mainmise, on comprend aujourd'hui avec la pandémie que ça devient de plus en plus nécessaire pour garder le contact avec le client, mais également pour fidéliser ces derniers. Donc, j'aimerais ouvrir à présent la conversation avec nos quatre panélistes, en commençant par le premier focus qui est sur pourquoi est-ce une priorité d'investir dans l'expérience client. Donc, je vais demander à M. Souleyman Koulibaly. Quel est pour vous, on a parlé des avantages et de l'importance d'investir dans l'expérience client, mais quelle est cette expérience client aboutie et incomparable qui est nécessaire pour qu'il y ait désormais une concordance entre l'appréciation de l'expérience client par ceux qui la fournissent et ceux qui l'utilisent? Thank you.
Allô, c'est bon, vous m'entendez? Oui. Parfait. Oui. Ben, merci beaucoup déjà à Redcom de m'avoir convié à ce webinaire. Merci également à tous les intervenants de venir, qui ont accepté, qui ont bien voulu accepter de venir échanger sur le thème qui est très important et qui, moi, me passionne beaucoup, qui est l'expérience client. Alors, donc, bien entendu, avant d'essayer de répondre à votre question, Yacine, ce qu'il faut noter, il faut qu'on commence par définir ce que c'est que l'expérience client. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que l'expérience client, c'est déjà la perception qu'un client a à l'issue d'une interaction qu'il a avec, je dirais, une entreprise ou une organisation. Autrement dit, c'est aussi, je dis, cette expérience-là, elle est générée aussi bien par les offres, les produits, les services que cette entreprise-là fournit, et aussi bien par la relation client que cette entreprise-là met en place vis-à-vis des clients. Et ce qu'il faut distinguer de l'expérience client, c'est qu'on distingue deux types d'expériences naturellement. On a ce qu'on appelle l'expérience d'usage, donc quand le client il utilise un de nos produits, une de nos offres, un de nos services, et puis on a ce qu'on appelle l'expérience, je dirais l'expérience d'interaction. Alors, ce qui est important à noter, c'est que l'expérience client, aujourd'hui, on n'a plus le choix. Nous sommes passés aujourd'hui de l'économie de production à l'économie de marché. Du coup, on a dû changer le rapport qui existe entre l'offre et la demande. Donc, je dirais, l'offre étant supérieure maintenant à la demande, du coup, il faut que les entreprises, ou du moins les organisations, puissent mettre en place en interne des dispositifs qui pourront satisfaire davantage, ou du moins, je dirais, enchanter les clients. D'où la nécessité de pouvoir délivrer une expérience client incomparable pour les entreprises si elles veulent être compétitives. Après, un des éléments majeurs, ou du moins je dirais le socle qu'il faut que les organisations ou bien les entreprises aient pour pouvoir garantir une expérience client incomparable, à mon avis, c'est bien ce que j'appelle la culture et l'orientation client, en fait, qui est un élément très, très important. D'entrée de jeu, Yacine, vous parliez de bon nombre d'entreprises aujourd'hui en Afrique qui réalisent, du moins qui ont des chiffres d'affaires qui sont bien entendu au rendez-vous, qui ont de très bons résultats. Mais quand on part chercher véritablement les clients, on a beaucoup de clients qui sont insatisfaits. Alors, ça, c'est un fait qu'on constate parce qu'il faut bien qu'on comprenne l'état d'esprit des clients africains. Il y a ce qu'on appelle la fidélité passive. Donc, la fidélité passive, qui est la fidélité, on a un certain nombre de clients qui sont bien entendu avec de grosses entreprises, mais pas parce qu'ils sont satisfaits, mais parce que dans leur esprit, ils n'ont pas mieux ailleurs. Mais ils ne sont pas satisfaits de la relation qu'ils ont avec leur entreprise. Bien entendu, ben, ils restent parce que, comme je dis, ils n'ont pas mieux ailleurs. Donc, l'orientation client qu'il faut avoir et la culture client qu'il faut avoir en interne pour pouvoir, qui est à mon avis le socle d'une expérience client aboutie. Donc, comme je disais, c'est un ensemble de croyances et de valeurs qu'on partage en interne, un ensemble de croyances et de valeurs qu'on partage en interne qui mettent le client et sa satisfaction durable au centre de toutes les préoccupations de tous les collaborateurs d'entreprise. Voilà, donc qu'ils puissent garantir qu'on délivre une expérience client aboutie. Donc, voici un peu ce que je pouvais dire en introduction de l'expérience client à la suite de la question que vous m'avez posée. D'accord, merci Souleymane. Et surtout, merci d'avoir souligné le phénomène de fidélité passive qui est très récurrent, surtout lorsqu'il n'y a pas beaucoup de prestataires ou de choix qui forcent les clients à rester là. Gerlix, j'aimerais, pour appuyer un peu ce que Souleymane vient de dire, étant donné que vous travaillez, vous développez énormément de produits et de solutions pour justement que les entreprises puissent satisfaire leurs clients. Quel est selon vous un modèle ou un exemple d'expérience client abouti et quelle place est-ce que vous pensez que l'écoute des clients occupe dans l'expérience client, étant donné qu'il y a ce déphasage entre les deux? Bonjour encore une fois, merci Yacine. Pour moi déjà, je vais commencer par le socle. Pour moi, ce que nous pouvons considérer au-delà de ce que Souleymane a partagé tout à l'heure comme socle de l'expérience client, d'une expérience client réussie. Alors pour moi, c'est l'écoute et la connaissance client.
Le client a besoin de se sentir valorisé, unique, et non frustré ou négligé, comme on peut le constater très souvent dans nos géographies. Donc, il faut pour cela délivrer une expérience personnalisée à chaque interaction pour chaque client. Et la seule manière d'y arriver, selon moi, pour moi, hein, c'est d'écouter de façon continue le client et de le comprendre. Donc, lorsqu'on connaît son client, on sait aisément anticiper, n'est-ce pas, sur ses réactions et identifier les produits qui lui conviennent. Donc, pour moi, déjà, c'est effectivement l'écoute client et la connaissance client qui sont le socle d'une expérience client réussie. Alors, en termes de place, n'est-ce pas, que l'écoute client donc, occupe dans ce processus-là, pour rappeler, hein, au-delà de ce que Souleymane a dit, on a bien dit tout à l'heure que l'expérience client désigne l'ensemble des émotions, des sentiments ressentis par le client avant, pendant et après le processus d'achat, n'est-ce pas, ou d'un service. Donc, c'est le résultat de l'ensemble de ces interactions-là. Partant de cette définition, on peut quand même dire, sans vouloir nous tromper, que l'écoute client, ou encore appelée la voix du client, occupe une place prépondérante dans la stratégie, n'est-ce pas, de l'expérience client, puisqu'elle intervient durant tout le cycle, n'est-ce pas, avant, pendant et après l'achat. Donc, si vous n'écoutez pas vos clients, vous ne saurez pas quel produit ou service proposer. Vous ne les connaîtrez pas, vous ne connaîtrez pas leurs douleurs, vous ne saurez pas non plus mesurer l'impact, n'est-ce pas, qu'ont vos produits et services sur leur quotidien. Vous ne saurez pas s'ils ont des difficultés liées à l'utilisation de vos produits. Autrement dit, vous ne pourrez pas vous améliorer, vous les ferez fuir, n'est-ce pas, et ternirez ainsi votre image. Pour enrichir, on constate quand même aisément qu'il y a de plus en plus de défiance des consommateurs vis-à-vis de la publicité des enseignes, comme on peut le constater. Vous avez dit, beaucoup d'entreprises investissent, mais après, l'impact est quand même négatif. Alors, il faut dire que 73% environ, selon certaines études, des clients font désormais confiance à leurs proches, n'est-ce pas? Donc, c'est les proches qui recommandent les enseignes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et non la publicité. Hein, et non la publicité. Si vous le permettez, je pourrais même prendre un petit exemple hein, pour illustrer tout ça. Imaginez un seul instant, Yacine, pour parler donc d'expérience client, d'un modèle d'expérience client, que vous allez dans un Gap pour une raison ou pour une autre, votre carte est rejetée à 3 reprises et même qu'elle est avalée. Alors, parce que votre banque a mis en place un système de tracking de chaque interaction avec les clients et qu'elle a un souci de délivrer la meilleure expérience client durant tout son parcours, vous recevez, avant même de sortir de Gap, un SMS dans lequel la banque s'excuse, n'est-ce pas, pour ce désagrément et vous invite à vous rendre dans une agence pour retirer donc par un autre moyen votre argent. Vous retirez et vous vous rendez donc chez vous et après cela, vous avez donc un appel d'un agent qui vous attend au bas de votre maison parce que le client vous connaît, avec donc des fleurs pour s'excuser, avec votre carte déjà retirée et avec même un petit bon d'achat dans votre restaurant préféré. Yacine, je pense que, croyez-moi, vous ne quitterez pas cette banque. Vous ferez sa promotion chaque jour. Voilà un peu un exemple de modèle d'expérience client de vécu que je peux partager pour répondre à votre question. Ok, merci Gerlix. J'espère que vous m'indiquerez quelle banque traite aussi bien ses clients pour que je puisse aller devenir cliente là-bas. Ok, merci à tous les deux pour cette intervention. À présent, nous allons parler un peu de la pandémie et un peu des effets qu'elle a eus et des changements qu'elle a suscités au sein des entreprises qui offrent l'expérience client. Et là, nous allons demander à tous les panélistes d'intervenir. Donc, je vais juste, peut-être par ordre d'affichage, demander à chacun d'essayer de nous répondre en quelques lignes sur quelle a été la stratégie mise en place ou le plan de continuité mis en place par votre entreprise ou des entreprises avec lesquelles vous collaborez lorsque la pandémie a frappé et quel est le changement de comportement que vous avez constaté au sein de clients et qui a nécessité une adaptation de votre part vis-à-vis d'eux. Je vais peut-être commencer par Écartin. Hein.
C'est à moi que tu voulais que je prenne la parole, Yacine ? Oui, tu peux. Vous pouvez commencer, Karine. Allô, Yacine, tu m'entends ? Oui. Ah oui, c'est bon. Ah voilà, d'accord. Donc je disais que au niveau de Orange que nous avons fait, en fait, cette pandémie au niveau d'Orange Côte d'Ivoire a permis d'accélérer toute notre stratégie digitale. Donc, on a mis en place pour les clients qui voulaient continuer à faire des achats et le site de vente en ligne, qui a vraiment tourné à plein régime. On a mis en place également des chatbots sur les réseaux sociaux. On a renforcé nos équipes sur les réseaux sociaux parce que avec la pandémie, les déplacements étaient réduits. Donc, il fallait garder le contact avec les clients. Donc, au niveau de nos agences également, pour ceux qui avaient la possibilité également de se déplacer, on avait mis les mesures barrières. Cela a permis aux clients d'être rassurés lorsqu'ils se déplaçaient en agence. Donc, ils savaient qu'on avait mis en place des mesures barrières pour leur permettre de venir faire toutes les opérations en banque, en agence. Et puis, pour garder la proximité avec nos clients, on a lancé des webinaires. Et je pense que l'un des succès de la communication avec nos clients pendant la pandémie, c'était les webinaires. On le faisait au moins une fois par semaine. L'idée, c'était de garder le contact avec nos clients, échanger avec eux sur la problématique qu'ils rencontraient pendant la pandémie et puis leur proposer des solutions. Donc, il y a beaucoup de solutions qui sont sorties de nos différentes directions marketing et ventes pour proposer des solutions de continuité d'activité aux clients. Et ces solutions-là, on a pu les mettre en place au travers des moyens de communication, notamment les webinaires qu'on a eus avec nos clients. Donc, notre stratégie a été vraiment de garder le contact avec la plupart de nos clients, mais de rester vraiment dans une logique de digitalisation de ces contacts-là pour éviter au maximum qu'il y ait des interactions humaines. Voilà ce qu'on a pu faire au niveau d'Orange Côte d'Ivoire et ça a eu du succès parce que pour la plupart des entreprises, on sentit cette continuité de service, notamment au niveau des entreprises qui avaient initié le télétravail qu'on avait accompagné. Nous aussi, de nos clients B2C, ils ont été très satisfaits parce qu'ils n'ont pas vu la rupture du service. Ils avaient la possibilité d'être assistés par le chatbot, par les réseaux sociaux, par les WhatsApp qu'on avait mis en place également. Donc, ils étaient vraiment dans une très bonne dynamique. Ils ont senti que Orange les accompagnait dans cette pandémie. Voilà. Merci, Carter. Karine, vous voulez ajouter quelque chose? Non, mais Écartin, il a donné une bonne illustration de ce qu'a fait Orange en Côte d'Ivoire. Après, ce que je peux vous dire, c'est que les situations étaient très différentes d'un pays à l'autre. On est présent dans 17 pays dans la zone, donc les contraintes sanitaires étaient différentes. Dans certains pays, on a eu nos boutiques fermées, dans d'autres, non. Mais les problématiques ont été les mêmes. C'est la mise en télétravail de nos agents, de nos équipes, mais aussi l'accompagnement de nos clients, en même temps, en parallèle. C'est mener les deux de front dans des périodes extrêmement serrées en termes de matériel, de mise en œuvre, etc. Et aujourd'hui, nos clients B2B, notamment, nous remercient de l'accompagnement qui a été très réactif dans l'ensemble de nos pays pour les aider à faire face à cette pandémie. Notre accompagnement aussi sur la prise en compte de la situation particulière. Par exemple, on a pris des décisions majeures d'arrêter la facturation de tous nos pays et de ne couper aucun client pendant les périodes de crise dans aucun de nos pays de la zone, ce qui est et Orange dans le monde entier aussi, qui sont des décisions un peu structurantes, justement, drivées par une culture de l'expérience client. C'était vraiment pas le moment d'aller couper nos clients qui avaient besoin de leurs moyens de communication. Et donc, on est assez fiers de ces décisions majeures qui ont été prises sur l'ensemble de la zone. Et puis, effectivement, comme l'a dit Écartin, une grosse réaction de nos clients qui se sont reportés sur les canaux digitaux. On les a invités, on leur a communiqué d'utiliser nos réseaux sociaux, que ça soit Facebook Messenger, WhatsApp dans certains pays, notre application Cœur, Orange et moi, ou nos sites web, on a eu une explosion de codes contacts sur les réseaux sociaux. Mais on a aussi été créatif, on a créé des nouvelles façons d'apporter le service à nos clients en faisant des partenariats, par exemple, au Maroc avec une compagnie de livreurs, si vous voulez, et vous apportez la livraison, le device que vous vouliez, votre Livebox ou ce que vous souhaitiez, et vous payez à la livraison. Et on a fait ça en 2 jours pour s'adapter aux besoins de nos clients. Donc, je pense que cette pandémie, elle nous a montré qu'on pouvait être agile, même si on était une grande structure, qu'on pouvait être solidaire quand c'était nécessaire et qu'on savait être réactif pour accompagner nos clients, mais aussi nos employés.
Il y a certains pays où, vous savez, où c'est plus difficile d'avoir accès à l'électricité, par exemple, et ce n'est pas forcément facile de mettre les gens en télétravail. Donc, on a créé des hubs pour accueillir nos employés ou les prestataires avec qui nous travaillons, notamment RDC, en leur mettant à disposition de l'électricité pour eux et pour leurs familles, leurs enfants, pour l'école. Et on a fait aussi un gros travail sur la mise à disposition de sites d'éducation, quelque chose qui nous tient à cœur aussi chez Orange, l'éducation digitale, pour que tous les étudiants, la majorité des enfants, etc., puissent accéder aux sites d'éducation ou d'école gratuitement. Donc, voilà, je pense qu'on a été assez réactifs et qu'on a pensé client, on a été santé client pendant cette crise Covid. Et puis après, chaque pays a fait des actions encore plus locales, comme l'a dit Cartin, mais on a une stratégie globale assez unifiée pendant cette période. Merci beaucoup pour ce complément et félicitations pour ce que vous avez entrepris. Gerli, est-ce qu'il y a des solutions particulières que vous avez eu à développer justement pour pouvoir permettre à vos clients de faire face à la pandémie tout en continuant à fournir leurs services et à mettre le client au cœur de leur stratégie? Alors effectivement, bien sûr. Il y a eu des solutions particulières, mais avant d'aborder le volet solution, il faut dire que nous faisons aussi du conseil et au sortir de cette crise, on n'en est pas sorti, mais on a connu une période un peu plus, on va dire, passive. Et pour relancer donc les activités, on a dû accompagner plusieurs firmes à mettre en place des plans de continuité ou de reprise des activités dans lesquelles, effectivement, on a mis le focus devait être mis autant pour moi sur la limitation du nombre de personnes, n'est-ce pas, dans les différents points de service, la régulation de tout ce qui est congestion dans les agences, le delivery de la majorité des services à distance, hein, comme l'ont dit Cartin et Karine tout à l'heure. Donc, le maître mot était que l'expérience client ne soit pas dégradée, qu'il n'y ait pas un impact négatif sur l'expérience client, même s'il y avait moins d'interactions humaines. N'est-ce pas? Alors, après analyse de cette difficulté-là auxquelles étaient confrontées les entreprises durant cette période, donc on a décidé de se focaliser sur quelques problématiques qu'on devait régler, notamment permettre aux clients d'avoir accès aux informations à distance, à tout moment et via n'importe quel canal, donc la notion d'omnicanalité, d'identifier en temps réel les agences ayant le moins d'affluence en fonction du service auquel ils voulaient accéder, si cela nécessitait qu'ils se rendent à un point de service physique. Il fallait pouvoir réserver une place dans la file d'attente à distance, et ça aussi en temps réel, avant de se rendre à la minute ou à la seconde près dans l'agence qui était identifiée. C'était aussi de réduire les risques de contagion en agence, en mettant à disposition des entreprises une solution robotisée pour détecter les personnes qui étaient potentiellement porteuses de virus et leur interdire l'accès à l'entrée même du point de service. Donc, l'objectif était de permettre aux entreprises de savoir presque en temps réel ce que leurs clients pensent de leur marque, des produits et des questions qu'elles posent de façon globale. Donc, pour résumer, les solutions qui ont pu permettre de résoudre toutes ces problématiques-là, on a bien sûr les solutions de chatbot conversationnel, ce qui fait que lorsqu'on greffe cette solution à un site web, à une page sur vos réseaux sociaux, on est capable à tout moment de la journée, n'oublions pas qu'il y a la question de fuseau horaire aussi, d'avoir toutes les informations sur n'importe quel produit et service. On avait en même temps un relais donc, qui était une personne humaine qui pouvait donc continuer les discussions si la base de connaissances n'était pas assez enrichie. Je parlais tout à l'heure de solutions robotisées, c'est une solution qu'on appelle Kiosk Flexi, qui permettent donc effectivement de donner du gel à l'entrée d'une agence, de mesurer la température et de savoir si la personne donc est potentiellement porteuse du virus. Voilà à peu près quelques solutions, plus tard peut-être on y reviendra, qu'on a mis en place donc dans ce contexte Covid. D'accord, merci beaucoup. Souleymane, juste très brièvement, est-ce que vous pouvez partager peut-être des expériences dont vous avez eu vent ou dont vous savez ont eu un très bon retour ou un succès pendant la pandémie pour permettre la continuité des activités? Alors, merci Yacine. Comme solution, ce que j'ai pu voir
Par ailleurs, ici, au-delà de ce dont Cartin a parlé, qu'a mis en place Orange, notamment le chatbot et autres, ce que j'ai vu chez d'autres banques, particulièrement, il y a des chatbots qui ont pu être développés un peu ça et là, un peu assez rapidement, qui ont dû être développés. C'est des solutions qui n'existaient pas avant la pandémie qu'on a vécue. Mais ce que j'ai pu voir dans l'environnement dans lequel je suis, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, donc comme je disais, au-delà d'Orange, et certaines banques que j'ai dû voir qui ont dû développer des solutions assez rapides pour pouvoir entrer en contact avec les clients. J'ai pu voir certaines entreprises aussi qui ont créé des qui ont dû monter des call centers avec un ensemble d'actes de gestion qu'ils arrivaient à solutionner, je dirais, en temps réel au téléphone sans que les clients ne se déplacent. J'ai dû voir notamment aussi dans la fonction publique, du moins certaines administrations ont dû mettre des solutions de call center. Je vais bien oublier un pool de conseillers clientèle qui arrive à solutionner un certain nombre de problématiques des clients. Donc, voici ce que j'ai pu voir, je dirais, dans mon environnement. Merci beaucoup. À présent, nous allons passer à l'impact réel de l'investissement en prenant, je dirais, d'abord le cas d'Orange. Je pense que Katin et Karine ont très bien présenté toute la réactivité dont ils ont fait preuve et les innovations qu'ils ont mises en place pour vraiment offrir une expérience client réussie. Mais à présent, nous allons passer sur au fait comment est-ce qu'on mesure tout ça. Donc, comment est-ce que vous savez que vous avez non seulement atteint vos objectifs, mais également que le client est satisfait de votre réactivité, qu'il est satisfait des services qu'il a reçus, qu'il est satisfait des différentes prestations et que les produits qui étaient proposés également correspondaient à ceux dont ils avaient besoin, que ce soit de B2B ou de B2C. Et je sais que tout ça a nécessité sûrement énormément d'investissements dans un contexte où les ressources étaient plus limitées que d'habitude et que par preuve de solidarité, vous avez quand même consenti à cet investissement-là. Donc, en gros, comment est-ce que vous, déjà, comment est-ce que vous budgétisez tout ça et comment est-ce que vous mesurez les effets de vos différentes interactions? Je vais commencer. Alors déjà, je vais répondre au petit message de Gilda qui a posé un petit message sur le chat. Ben, merci de votre patience, Gilda. Je sais qu'on n'a pas toujours été à l'heure du rendez-vous pendant le Covid sur nos réseaux sociaux. On n'a pas tenu ce qu'on appelle nos SLA, nos engagements de délai. Mais comme vous l'avez compris, on s'est adapté. On a eu une explosion des demandes. On a eu plus de 1000%. Il a fallu réadapter des gens qui répondaient au téléphone, au chat. Donc, effectivement, on n'a pas toujours été hyper réactif, mais on a beaucoup travaillé, on a répondu à l'ensemble de nos clients. Aujourd'hui, on est de nouveau dans des horaires et dans des qualités de service attendues. Mais on a eu la chance, justement, pendant cette période, que nos clients, dans l'ensemble de nos territoires, soient bienveillants, qu'ils comprenaient que la situation était atypique et que nos délais de réponse étaient un petit peu différents d'habitude, que ce soit dans nos boutiques, au service client, etc. Tout a été un petit peu chamboulé, la vie de tout le monde, et nos clients l'ont bien compris. Ils ont été particulièrement gentils avec nous, parce que justement, ça va faire le lien avec la question de Yacine. On a continué à faire nos études de satisfaction client, donc collecte de la voix du client sur l'ensemble de nos canaux. Donc, on fait quoi? On fait des sondages, ce qu'on appelle à chaud, et des sondages à froid. À chaud, eh ben, c'est à la sortie de la boutique. On vous demande votre sondage ou après un appel au service client ou après une visite sur notre site internet ou notre application. Et à froid, c'est plus tard, de manière régulière, on prend un panel de clients et on leur demande leur impression sur Orange de bout en bout, l'ensemble de leur parc client ou des fois on fait des zooms. Et pendant le Covid et après le Covid, on a eu plutôt un niveau de satisfaction très élevé, voire plus élevé que d'habitude, suite à l'accompagnement qui a pu être mis en place et la mise en situation d'Orange face à cette pandémie et les décisions qui ont été prises. Donc ça, c'est pour comment on fait. Ben, on continue, on fait de l'amélioration continue. En continu, on écoute la voix de nos clients. Ces sondages, ils sont très importants pour nous. Ils font partie de la part variable, donc de l'argent.
dont sont payés les gens dans l'entreprise. Donc, tout le monde a une petite part de son salaire qui est indexée sur la satisfaction des clients pour montrer à quel point pour nous c'est important de travailler sur la satisfaction client, que c'est une problématique pour l'ensemble des salariés, tous, même si on n'est pas ce qu'on appelle en France, c'est-à-dire en contact, mais qu'on est, je ne sais pas moi, à la supply chain, qu'on travaille aux finances, qu'on travaille je ne sais où, eh ben, tout le monde doit avoir le client en tête, c'est important pour nous et donc ça impacte la part variable aussi bien que les revenus qui sont générés dans l'entreprise. Donc, on continue, on fait ça tout le temps, on mesure en continu la satisfaction de nos clients. Et pourquoi faire ? Bah, pas juste pour mesurer, mais pour faire de l'amélioration continue. Donc, écoutez ce qu'ils nous disent. Donc, quand vous faites des sondages, sachez qu'on les écoute, on les regarde. On fait des sondages par téléphone, par SMS, par serveur vocal, par les applications et pas uniquement par la borne à la sortie d'urgence. On a de multiples possibilité pour collecter la voix du client. On fait des choses un petit peu partout, même sur les réseaux sociaux. Et tout ça, on les écoute et on fait des plans d'amélioration continue basés sur les sondages, les KPI, mais aussi les verbatims. On lit les messages que vous nous laissez et avec ça, on décide d'action, de correction et d'amélioration continue. Alors, évidemment, on ne fait pas tout. Souvent, je vois, j'aimerais tout gratuit. Malheureusement, je ne peux pas tout vous donner gratuit. Donc, je ne suis pas toutes les verbatimes. Hein, mais effectivement, on regarde ce que nous disent nos clients avec attention. Et est-ce que tu me posais la question sur les investissements ? Alors, les investissements, c'est les outils qui vont nous permettre, évidemment, de gérer cette expérience client. Donc, il y a différents types d'outils. Il y a les outils de collecte de la voix du client, un peu comme l'illustration qui est sur la page, qui sont des outils de sondage sur lesquels peuvent se retrouver dans nos boutiques avec nos partenaires comme Wacom ou d'autres partenaires, qui sont aussi des appels vocaux que vous pouvez recevoir sur votre téléphone et on vous demande votre avis, ou sur une application, à la fin de l'usage de l'application, on vous demande si vous voulez bien répondre à un sondage. Donc, tout ça sont des outils pour la collecte de la voix du client. Mais on utilise aussi ces outils, par exemple, pour dispatcher les verbatims aux acteurs des boutiques pour qu'ils puissent savoir s'ils vous ont satisfait ou pas et qu'ils puissent aussi travailler sur l'amélioration continue. On fait des choix d'investissement d'outils sur l'expérience client, bien entendu. Comment on fait ces choix ? Eh bien, on fait comme dans tous nos projets, on fait des retours sur investissement, on fait des business cases, on essaye d'évaluer l'impact, le coût de cette solution versus ce qui va nous rapporter. Et comme on sait que la satisfaction client, c'est un gros driver de revenus, c'est-à-dire ça nous envahit du churn, que les clients nous quittent, ça nous montre aussi que souvent un client satisfait, il a une plus grande valeur et il a moins de coûts aussi dans le sens où le coût indirect, c'est-à-dire que par exemple un client satisfait, il ne va pas appeler au service client, il ne va pas faire de réclamation, on ne va pas avoir besoin de le rembourser, etc. Donc, on regarde l'ensemble des éléments pour faire des business cases entre l'investissement sur un outil de relation client, d'expérience client, versus les revenus qu'on estime qu'on va générer grâce à cet investissement, ce process. Par exemple, avant d'être sur la zone, je travaillais en Roumanie, on a travaillé sur un système comme ça où dès qu'on a le sondage à chaud, tous les soirs, ils tombent sur la boutique et ils doivent rappeler leurs détracteurs de manière automatique. Et avec ça, on a gagné 15 points de NPS et 2 points d'EBITDA. Grâce à un travail récurrent, quotidien, de rappel des détracteurs et d'action sur les détracteurs et de mobilisation de l'ensemble des frontlines. C'était dans un autre pays, sur un autre projet. Mais il y a eu un très gros investissement. Alors, au début, c'est beaucoup d'argent. Malheureusement, on n'a pas un retour immédiat. Donc, c'est pour ça que c'est difficile parfois de convaincre d'investir sur des outils d'expérience client. Mais il faut le voir comme des investissements à moyen terme et pas à court terme. Et donc, il faut faire des business cases à 3-5 ans et pas à 6 mois, sinon, effectivement, ça ne tient pas la route. Mais si on fait ça et qu'on regarde l'ensemble des coûts indirects aussi, donc appels, réclamations, etc., et qu'on les met dans le business case, en général, ce sont toujours des business cases qui finissent par être bien positifs et on arrive à avancer sur ces dossiers. Voilà ce que je peux te dire un petit peu, Yacine, sur cette question de l'investissement. Ok, merci Karine. Et Karine, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui, je pense que Karine a fait le tour de la question du groupe, du Loto Orange. Il y a une question sur le forum où on demandait comment est-ce que le client arrive à
à communiquer son niveau de satisfaction s'il ne peut pas toucher la borne placée à la sortie de l'agence. En fait, au niveau de Orange Côte d'Ivoire, on avait pris ça en compte. Il y a des, prenez par exemple l'agence Smart Store, où nous avons la solution digitale, une entreprise et digitale agence que nous avons mis en place. Lorsque vous sortez de cette agence, vous recevez automatiquement un SMS avec un lien qui vous permet de faire le sondage. Donc, vous n'avez plus besoin de toucher une borne. C'est une solution qu'on a déployée dans beaucoup de nos agences. Après l'interaction avec un conseiller, dès que vous partez, automatiquement, vous recevez une alerte SMS. Plus besoin de toucher la borne. Donc, ça, c'est quelque chose de très concret qu'on a mis en place au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, au-delà des indicateurs qui sont présentés sur la slide, il y a aussi tout ce qui est délai de traitement qu'on mesure, qui est aussi un niveau de satisfaction du client. Délai de traitement des réclamations, par exemple, le client qui a introduit une réclamation, il souhaite avoir une réponse dans un délai très court. Donc, c'est un indicateur que nous suivons. Nous suivons également tout ce qui est réitération, qui aussi impacte l'expérience client. Un client qui revient plusieurs fois pour la même demande et qui n'est pas traité, vous imaginez un peu son sentiment. Donc, c'est un taux qu'on a aussi en mesure. Aujourd'hui, ce taux-là, on a eu à le maîtriser depuis le début de l'année. Il a un peu fluctué pendant le temps du COVID, mais on est vraiment dans une bonne dynamique. Aujourd'hui, on est à moins de 30%. Et c'est quelque chose de très intéressant parce que ça démontre que le client, lorsqu'il vient, il est traité dans sa première demande. Il n'y a pas forcément besoin de revenir. Il y a un dernier indicateur également que nous regardons, c'est tout ce qui concerne la facturation, qui est aussi lié à l'expérience client. Karine disait tout à l'heure que lors du COVID, on avait arrêté les facturations et toutes les activités qui concernaient le recouvrement. Effectivement, c'est aussi un point que nous regardons, le taux de factures qui sont payées, le taux de factures qui sont rejetées. Et même dans nos applications aujourd'hui, Orange Money, nous regardons le taux d'utilisation de cette application. Plus le taux est bon, plus nous disons que le client est satisfait de ce qu'il vit comme expérience avec cette application. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir la campagne qu'on a lancée récemment sur Orange, l'application Orange Money pour faire payer ses factures, mais c'est une totale expérience qui est vraiment très bonne pour les clients parce que utiliser l'USSD avec le parcours qui est assez compliqué et se retrouver avec une application qui, en deux clics, vous permet de payer votre facture CIO ou votre facture celle-ci, mais c'est très génial pour le client et ça le met dans une position très confortable. Et c'est cette expérience-là que nous voulons communiquer au client. Et c'est visible dans les chiffres, c'est visible dans les sondages que nous faisons. Aujourd'hui, c'est ce qu'on veut faire. Et quand tu investis dans des applications comme Orange Money, tu as immédiatement le retour sur investissement parce que tu vois que l'application est utilisée. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et nous poussons l'investissement vers le digital pour rendre le client autonome, pour rendre le parcours fluide et pour rendre l'expérience du client plus appropriée. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce que Karine avait dit tout à l'heure. Merci beaucoup pour cet apport. Je vais peut-être demander très rapidement à Jean-Louis, est-ce que vous pouvez partager peut-être différentes difficultés auxquelles les entreprises sont confrontées pour justement mesurer l'impact de leur programme? C'est vrai que l'équipe Orange a partagé plusieurs indicateurs de performance. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de pouvoir de mettre en place déjà les outils qui leur permettent de mesurer cela et de pouvoir le faire. Donc, quelles sont les difficultés auxquelles ces entreprises sont confrontées? Merci, Yacine. Alors, je vais peut-être vous étonner, mais moi, je pense que toutes les entreprises sont donc outillées pour mener à bien ou délivrer une très belle expérience client. Permettez-moi de démystifier la notion d'investissement dans l'expérience client. Je pense que mes prédécesseurs l'ont assez fait, mais j'insiste, pour moi, tout le monde peut donc délivrer une très bonne expérience client. Alors, ce que je peux rajouter est qu'investir aujourd'hui dans l'expérience client, pour moi, c'est indispensable. D'abord pour survivre. C'est même pas d'abord dans... On ne parle pas d'environnement concurrentiel, c'est pour survivre. Et je pense que COVID nous l'a montré. Alors, je parle de survie et de plus à une époque où on ne va pas se réfugier à chaque fois sur les coûts qui semblaient inaccessibles. Aujourd'hui, il existe plusieurs gammes de solutions. D'abord, ce n'est pas qu'une question de solution.
C'est une question de stratégie, c'est une question d'organisation. Il faut se fixer les bons indicateurs, comme on l'a dit tout à l'heure. Qu'il s'agisse des PME ou des grandes entreprises, il n'y a pas de budget type. Okay, il n'y a pas de budget type. Et pour couronner le tout, je vais vous parler de RICOM parce que c'est une firme africaine et notre objectif, effectivement, c'est d'accompagner toutes les entreprises via notre conseil ou via notre panoplie de solutions digitales et on se rend disponible pour toutes les entreprises. Okay? Nos interlocuteurs privilégiés sont surtout les responsables métiers à qui, effectivement, avec qui on échange sur ce sujet et à qui on montre que investir dans l'expérience client, ce n'est pas un centre de coût, mais plutôt un centre de profit. Et on l'a vu tout à l'heure. Nous avons pu réduire avec certaines entreprises jusqu'à 30%, n'est-ce pas, des investissements à travers un projet de transformation d'expérience client, autant pour moi, totalement digital. À travers une même plateforme aujourd'hui, par exemple, on est capable de réaliser de la communication, de mesurer la qualité de l'expérience, n'est-ce pas, que les différents clients vivent. On est capable de communiquer de façon dynamique. On est capable de mesurer la croissance des activités. On est capable de savoir à chaque point d'interaction quelles sont les difficultés des clients. Donc, associé à tout ce que Écartin a dit tout à l'heure, effectivement, on sait donc que l'expérience client apporte quand même quelque chose de considérable à l'entreprise et en plus de la réduction des charges, puisque les dépenses sont maintenant mutualisées. Vous avez par exemple un département qualité, un département communication et commercial, les trois départements qui mutualisent des coûts pour mettre en place les mêmes infrastructures et les mêmes solutions. Et effectivement, comme l'a dit Karine, sur le long terme, on peut donc effectivement se rendre compte que l'investissement n'a pas été vain. On a moins communiqué parce qu'on avait moins d'efforts à faire. Les clients satisfaits nous recommandaient donc auprès d'autres clients, donc on améliorait le chiffre d'affaires. Et ben, voilà, à la fin du compte, je pense qu'on en sort toujours gagnant. Voilà un peu ce que je peux rajouter. En disant encore une fois, il faut démystifier la notion d'investissement. C'est plus que nécessaire, c'est indispensable et ça va même dans un champ de survie dans ce contexte de COVID. Voilà un peu, yes. Merci, Gervais. Ça tombe bien parce qu'on va passer à la prochaine section qui répond un peu à ce que Orange, RICOM ont partagé sur le fait d'aller sur le digital, de développer des produits, des services digitaux qui permettent à distance aux clients de poser ses problèmes et de trouver une solution aux différentes problématiques auxquelles ils font face. Donc, je vais redonner la parole à Jarvis et lui demander quelles sont les innovations technologiques. Je pense qu'on en a partagé déjà pas mal au cours de la discussion. Qui ont été adoptés pour améliorer l'expérience client et surtout comment est-ce que les usagers ont accueilli ces innovations. Ok, d'accord. Alors, j'aimerais déjà dire qu'il y avait beaucoup de solutions dont peut-être les acteurs n'avaient pas, en charge de l'expérience client, n'avaient pas forcément connaissance. En plus des innovations qui sont actuellement apportées, il faut dire que les acteurs et les fournisseurs de solutions d'expérience client, à l'instar de RICOM, ne manquent pas d'innover pour accompagner les clients, tous les types d'entreprises, parce que l'objectif est de proposer aux entreprises des solutions efficaces, simples d'utilisation, pour délivrer une expérience client optimale. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on ne cessera jamais de le dire, le digital est au cœur de toutes ces innovations-là. Je pourrais, par exemple, parler des chatbots conversationnels. Et en plus de cela, il faut dire que le chatbot, aujourd'hui, peut être relié à toutes les solutions métiers. On est capable, depuis un chatbot, de pouvoir réserver donc en ligne son ticket dans une file d'attente. Okay? On est capable donc de mesurer ou de donner sa satisfaction suite à une interaction avec la marque depuis le chatbot. En lien avec la question, je pense qu'un interlocuteur a posé tout à l'heure, où ils demandaient comment donc réaliser ces interactions-là. Effectivement, dans toutes les agences, c'était Orange par exemple, on est capable effectivement via plusieurs canaux, c'est pourquoi on parle d'omnicanalité, que ça soit via un lien web, via USSD, que ça soit via les réseaux sociaux, je parle donc de Messenger, de WhatsApp et autres, on est capable donc de mesurer, d'avoir une interaction avec le client, de mesurer sa satisfaction, okay, au-delà de tout ça. Donc, je pourrais parler de chatbot conversationnel.
Je pourrais parler aussi d'analyse et de reconnaissance faciale, donc en lien avec tout ce qui est intelligence artificielle. Mais ça nous permet de faire ce qu'on appelle le comptage de flux. Tout à l'heure, je vous disais, dans le plan de reprise des activités, il fallait donc faire en sorte qu'il y ait une limitation du nombre de personnes dans les agences. Et pour cela, on a des robots ou simplement les caméras qu'on utilise au quotidien. On est capable de greffer des solutions logicielles d'intelligence artificielle pour compter donc le nombre de personnes à l'intérieur. Mieux encore, je le disais, convergence entre les différents départements, donc la qualité, la communication et le département commercial. On est capable, via toujours cet outil de reconnaissance et d'analyse faciale, non seulement de compter le nombre de personnes, de savoir en moyenne quelle est la tranche d'âge, n'est-ce pas, des personnes dans un espace, notamment une agence. On est capable de savoir s'il y a plus d'hommes ou de femmes, toujours grâce au logiciel de reconnaissance faciale. Et derrière, donc, on peut, à travers une solution d'affichage dynamique numérique, déclencher donc une action sur les écrans qui sont peut-être géographiquement dispersés dans les agences. Autrement dit, le responsable, comme peut au préalable, sans avoir les compétences techniques, dire donc quel contenu multimédia va s'afficher selon le nombre de personnes ou bien selon le genre, selon la tranche d'âge des personnes qui sont dans un espace géographique bien ciblé. Donc voilà un petit peu quelques solutions comme ça que nous avons mis en place. Et en plus de ça, on peut parler aussi hein, de l'intégration de ces solutions-là, de gestion de file d'attente, par exemple, ou de mesures de satisfaction client avec les CRM ou avec les IVR, les solutions interactives hein, de communication, où on est capable, donc, à la sortie d'une agence ou pour une campagne de sondage ponctuel, de donc, intégrer la notion d'appel vocal via un IVR pour pouvoir mesurer la satisfaction du client. C'est déjà quelque chose que nous réalisons sur nos géographies, notamment avec Orange, hein, sur plusieurs de ses filiales. Voilà un petit peu quelques solutions que nous réalisons. Mais il faut le dire, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique seront au cœur de ces innovations-là. On ne manquera pas d'innover et pour répondre à la demande de nos clients en B2B comme de nos clients finaux. Merci, Gerlic. Écartin, vous voudriez ajouter quelque chose? Ce que Gerlic a dit, c'est assez complet. Au niveau de... Je vais juste faire quelques additifs. Je pense qu'on a déjà parlé des chatbots. Il y a aussi tout ce qui est IVR intelligent. Lorsque vous appelez le call center, dans certains cas, vous êtes dirigé vers un serveur vocal qui a la possibilité de résoudre votre problème rapidement. Donc, c'est aussi une innovation qui facilite le parcours du client. Il y a également tout ce qui est RPA, les robotiques automatisés sans process, qui permet d'automatiser aujourd'hui un certain nombre d'actes de process pour faciliter, n'est-ce pas, la prise en charge du client. On a également nos applications. Hein. Je parlais de Orange Moi. Aujourd'hui, avec Orange Moi, vous arrivez à acheter des passes, à payer vos factures, envoyer des réclamations sans bouger de chez vous et c'est traité. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller en agence pour que vous ayez la certitude que vous êtes pris en charge. Il y a toute une équipe qui existe derrière ces applications-là qui traite toutes les demandes qui vous permettent de vous retrouver dans un environnement comme si c'était une agence virtuelle et que vous êtes pris en charge à 100%. Dernièrement, nous avons lancé un nouveau concept dans nos agences qu'on appelle la digitalisation. En fait, l'idée, c'est, comme Javel le disait, de mieux gérer la file d'attente dans les agences. Aujourd'hui, on a encore un certain nombre de personnes qui viennent à l'agence parce qu'ils ont besoin peut-être de parler avec des personnes parce que la problématique est assez délicate. Mais on a mis aujourd'hui dans nos agences ce qu'on appelle le coach numérique qui permet de prendre en charge les clients qui viennent au travers d'un outil de digitalisation. Vous venez, par exemple, si vous avez une problématique, le coach numérique vous approche et vous regarde si le problème que vous posez, vous avez la possibilité de le résoudre au travers des canaux digitaux. Et il vous montre comment le faire et il résout le problème. Donc, quand vous partez, vous avez maintenant la possibilité de le faire vous-même chez vous. En le faisant, on a réduit de 30% aujourd'hui le flux d'attente dans certaines de nos agences où on a déployé cette solution. Donc, c'est toute cette gamme de solutions-là qui, aujourd'hui, améliore le parcours client. Si la digitalisation n'existait pas, on aurait peut-être eu ces 30% des clients encore dans la file d'attente en train d'être pris en charge. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui.
cette nouvelle façon d'approcher les clients par la digitalisation a vraiment aidé à améliorer le parcours client. Et vraiment, c'est une attitude, c'est une innovation qui va être déployée dans les autres agences. On l'a fait sur 10 agences au niveau d'Abidjan. Mais si vous passez dans la plupart des agences à partir du mois de novembre, vous verrez ces personnes-là vous aborder pour vous aider à vous approprier les outils digitaux qu'on a mis en place. Ok, très rapidement à tous les deux, j'aimerais demander, est-ce que toutes ces innovations intègrent les langues locales, par exemple, ou le fait que des populations analphabètes puissent utiliser ces outils pour continuer à interagir avec les entreprises? Le cas de la Côte d'Ivoire est assez spécifique, Yacine. Je pense que c'est peut-être un avantage. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on n'a pas cette langue locale nationale qui est parlée par tout le monde, comme peut-être dans certains pays, notamment le Sénégal, peut-être le Mali, le Bénin, où on parle du franc. Mais on a l'avantage d'avoir un langage assez familier ici qu'on appelle Mushi. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, même dans nos différents canaux, on essaie de rendre assez lisible le message qui est utilisé et le parcours, on le rend assez fluide et assez simple. Pour que l'utilisateur, même lorsqu'il n'est pas quelqu'un qui est allé à l'école, les simples bonjour, bonsoir, il puisse le faire sur nos applications. Vous verrez aujourd'hui que, par exemple, sur WhatsApp, on n'a pas forcément besoin d'avoir un niveau élevé de français. Au niveau de Orange et moi également, l'application est faite de sorte qu'en deux clics, vous avez accès à vos paiements, vous avez accès à votre compte. Donc, on facilite le parcours du client pour que même ceux qui ont une notion assez basique de la langue française puissent l'utiliser. Il y a des développements qui vont venir notamment sur tout ce qui est IBR vocal où on va intégrer quelques langues nationales qui sont parlées, mais ce sont des innovations qui sont en développement qu'on va probablement lancer avant la fin de l'année. Ok, merci beaucoup. D'accord. Donc, on va à présent passer à la dernière session qui est un partage d'expérience autour de l'investissement dans le service d'expérience client. Donc, je vais donner la parole à Karine qui va partager avec nous le cas d'Orange. Il y a Cartin, on vous en a dit pas mal, mais je vais essayer de vous donner une vision un peu plus globale. En illustrant avec la Côte d'Ivoire, on fait un bon duo avec Écartin, il vous donne l'exemple concret de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est vrai qu'on a, et ça répond à certaines questions qui étaient sur la droite. On a une vraie ambition de digitaliser l'expérience client. Pourquoi on veut faire ça? Le Covid nous a montré effectivement que c'était une nécessité, vous l'avez tous vécu aussi. Je pense que même ce qu'on appelle les réfractaires du digital s'y sont mis pendant cette période, faute de choix, mais c'est surtout une très bonne façon de simplifier les offres et les parcours clients et l'expérience. On est des grosses structures, on est international et dans de nombreux pays, c'était une des questions qu'on a posées aussi, est-ce qu'on a la même expérience dans tous les pays? Non, on n'a pas la même expérience dans tous les pays chez Orange, mais par contre, on a des valeurs communes, on a une ambition commune, on a une vision stratégique commune qui s'adapte localement. Bien entendu, on a des pays anglophones, des pays francophones, des pays à plusieurs langues, des besoins qui sont différents, des pays où on aime beaucoup aller dans les boutiques et parce qu'on aime le contact physique, d'autres pays moins, donc ça dépend. Donc évidemment, on a une vision stratégique commune, mais après, il y a des déclinaisons locales. Donc sur la vision stratégique de l'expérience client, on travaille main dans la main avec le digital. D'ailleurs, c'est une direction commune. Je suis en charge de l'expérience client et du digital parce qu'on pense que l'un ne va pas sans l'autre aujourd'hui, en tout cas dans notre domaine d'activité. Les deux sont liés. Il faut digitaliser l'expérience client pour donner le meilleur du digital et de l'humain, c'est-à-dire automatiser des tâches simples face à des outils comme l'a dit Écartin, comme le RPA, Robot Process Automation, comme mettant à disposition des applications multiservices, etc. Et après, toujours vous proposer un accompagnement avec des experts qui vont apporter une qualité de réponse dans un univers qui est de plus en plus complexe, qui est multiservice. On a des offres de telco, des offres monnaie, de l'énergie, de la santé, etc. Et donc, nos clients, ils attendent qu'on soit
très compétents et effectivement, il nous faut des experts. Donc, on automatise les tâches simples qui donnent aussi accès et qui donnent la réponse à nos clients 24/7/7 grâce au chatbot, etc. On travaille sur du bot vocal, on travaille sur des langues locales pour répondre à ce que tu demandais, Yacine. Mais ça prend du temps. Les dialectes, c'est difficile à automatiser. Il y a beaucoup d'accents et beaucoup de différents dialectes. Donc, ça prend plus de temps qu'une langue officielle comme le français, l'anglais ou l'arabe. Donc, on délivre au fur et à mesure. On est en mode agile. On est en une entreprise qui s'est organisée en mode agile. Donc, notre objectif, c'est de délivrer au fur et à mesure, de ne pas attendre que tout soit prêt pour lancer, mais de lancer au fur et à mesure. C'est pour ça que des fois, tout n'est pas parfait, il y a quelques bugs. Mais on se doit d'être à l'heure avec le marché, avec les attentes de nos clients, d'être au niveau de la compétition, d'être innovant. Nos clients, ils nous demandent ça. Ils nous demandent, nous, Telco, Orange, d'être innovant, de venir avec des nouvelles propositions. Donc, on lance d'abord des chats écrits, puis après, on va bientôt avoir les chats vocaux dans les langues majeures, et puis après, on va travailler sur les dialectes. Tout ça vient en parallèle et avance au fur et à mesure. Donc, pour moi, les innovations technologiques les plus importantes, au-delà de ce que tout on a dit là en ce moment, ça va être sur la vocalisation. Voilà, ça va être la vocalisation. Vous avez vu comment les gens se comportent aujourd'hui. Ils ne sont plus comme ça avec leur téléphone. Ils sont comme ça, ils parlent à leur téléphone, ils envoient des messages vocaux à travers Instant Messaging, etc. Et donc, on se doit d'adapter nos produits, nos services et nos propositions à ces nouvelles habitudes de vocalisation. Donc, pour moi, les plus grandes avancées qu'on va voir prochainement, c'est tout ce qui est sur la vocalisation, la visualisation. Vous êtes avec un serveur vocal et on vous propose de le voir sur votre écran et vice-versa. C'est donc une optimisation du multicanal optimisé au choix du client qui va faire des avancées technologiques. Et les choses sur lesquelles on travaille, c'est ce mixte où tu pourras choisir entre voir, parler, la vidéo, etc. C'est transformer des projets qui étaient des sites web avec des longues FAQ, là, vous savez, toutes ces questions où on s'y perd un peu. Eh ben, on remplace ça par des vidéos, des petits tutos de 30 secondes, une minute, comme une petite vidéo YouTube pour guider nos clients. C'est ça les innovations sur lesquelles on travaille et qui vont arriver très prochainement. Et je pense qu'avec ces vidéos, etc., je réponds à la question qu'elle a, on adresse, et avec le vocal, on ne laisse aucun client de côté, même nos clients analphabètes, même dans les pays des clients analphabètes, on adresse et on leur donne la possibilité d'interagir avec nous. Et justement, avec ces nouvelles technologies, on gomme cet impact et cette différence d'accès à l'information. Donc, c'est un grand enjeu aussi pour nous dans certains de nos pays. On y travaille très fortement. C'est donner les mêmes enjeux et donner accès à la digitalisation à l'ensemble des populations urbaines, rurales, analphabètes, éduquées, etc. C'est vraiment essayer de donner l'accès et de démocratiser la digitalisation à l'ensemble des populations que nous pouvons toucher. Voilà ce que je pouvais te dire sur les avancées, les innovations sur lesquelles nous travaillons et nous pensons globalement que les clients nous attendent. Merci beaucoup. Très instructif et utile à savoir, surtout pour les clients d'Orange. Donc, j'espère qu'ils sont satisfaits d'avoir eu quelques réponses à leurs questions, justement. Juste pour rappel, les questions, nous les recevons des différents canaux. Nous allons les adresser tout à l'heure. Certaines ont déjà été prises en compte, mais continuez d'envoyer vos questions si vous en avez ou des commentaires par rapport aux interventions des panélistes. Et encore une fois, vous pouvez vous connecter de n'importe quelle plateforme, YouTube, LinkedIn et Facebook pour poursuivre ce webinaire. OK, je pense que nous sommes venus arriver à la fin des différentes intervention des panélistes. On est un tout petit peu, on a pris un peu plus de temps que prévu, comme d'habitude, mais ça, c'est pas trop grave. Ce que je propose, c'est qu'on aille directement aux questions-réponses. Il y en a déjà pas mal qui ont été posées.
en les regardant rapidement, peut-être qu'on peut les prendre par ordre d'arrivée si on n'a pas déjà répondu à certaines des questions. Je vais, pour faire facile, je vais les parcourir et peut-être les attribuer aux différents panélistes. Ok, la première question, en tout cas celle qui apparaît en premier chez moi, le client peut être satisfait à la fin du service, mais peut ne pas recommander l'entreprise. J'aimerais que les panélistes nous parlent un peu du parcours client dans un processus d'achat ou de service. Ok. Moi, je peux répondre à ça rapidement, Yacine, si tu veux, en deux secondes. C'est pour ça qu'on a différents protocoles de collecte de la voix du client et qui sont complémentaires. Ce qu'on appelle le HO, c'est à la fin d'une interaction, c'est évaluer une interaction et ça donne un élément. Souvent, ça évalue la qualité de la personne ou de la réponse. Et effectivement, ça ne veut pas dire que le client va forcément recommander l'entreprise, parce que dans l'élément de recommandation, il y a tout un ensemble d'éléments, le prix, la couverture réseau, par exemple, en ce qui nous concerne chez Orange, on a le prix des offres, on a la couverture réseau, on a la relation client et on a aussi la marque, ce que représente la marque sur le territoire, qui vont entrer en ligne de compte. Et c'est pour ça qu'on regarde l'ensemble de ces éléments dans le cas des parcours clients et qu'on fait des sondages à froid pour avoir la vision d'ensemble. Et donc, les deux, pour moi, sont complémentaires et on travaille avec les deux pour améliorer notre parcours client et améliorer la satisfaction et évidemment la recommandation de nos offres sur notre territoire. Ok, merci. Yacine ? Oui, vas-y. Si tu permets, juste pour renchérir exactement ce qu'elle a dit tout à l'heure, c'est pourquoi on a plusieurs types d'indicateurs. Tout à l'heure, on parlait de CSAT, on parlait de EPS et on parlait de NPS. Effectivement, on peut mesurer donc la satisfaction du client, s'il a été bien servi, est-ce qu'il recommande. Là, c'est un autre volet. C'est pourquoi on parle de NPS. Est-ce qu'il est donc détracteur ou est-ce qu'il est promoteur? C'est pourquoi il faut donc faire une certaine différenciation entre les différents indicateurs. Il faut savoir quoi mesurer. Donc, c'est vraiment c'est une très belle question. C'est une très belle question et voilà ce que je peux rajouter. Il faut donc savoir qu'il y a plusieurs indicateurs selon ce qu'on veut donc mesurer. Et on dissocie la perception du client après avoir été reçu lors de l'achat d'un produit et aussi s'il veut recommander ou pas la marque. Ok, merci Jérémy. Et moi Yacine, je veux rajouter quelque chose là-dessus, c'est Souleymane. Après, ce qu'il faut noter aussi pour abonder également dans le sens de GLX, hein, donc la recommandation, elle mesure, on va dire l'indicateur de recommandation qui est le NPS, il mesure une relation. Donc, une relation qu'a eu un client avec une entreprise. Donc, à l'issue de beaucoup d'interactions, bien entendu que ce client a eu avec l'entreprise. Après, l'indicateur de satisfaction, comme il a dit, tel que la question est posée, donc c'est une satisfaction qui est liée à un service, donc à une interaction bien donnée que le client a eue avec l'entreprise. Donc, il est venu soit ouvrir un compte bancaire dans une banque. À l'issue du service qu'il est venu demander à l'entreprise, il est satisfait de l'interaction qu'il a eue. Mais bien entendu, à la fin de l'année, par exemple, après un an de relation avec la banque, ou bien avec son entreprise, on peut bien entendu lui demander son niveau de satisfaction globale lié à toutes les relations, notamment qu'il a eues avec cette entreprise-là. Et là, en ce moment-là, ce client-là, il va nous donner son niveau de recommandation à l'issue de ces un an de relation, par exemple, qu'il a eu avec l'entreprise. Donc, bien entendu, il y a bien une nuance entre la satisfaction qui est mesurée à l'issue d'un service et la recommandation qui est mesurée à l'issue d'une relation. Voilà juste ce que je pourrais ajouter. Ok, merci pour cet apport, Souleymane. La deuxième question, bon, je vais y répondre rapidement. Je souhaiterais savoir sur quoi portait le webinaire et quelles étaient les cibles. Grand public ou entreprise, la cible, c'est tout le monde, mais le webinaire partageait les expériences des grandes entreprises en matière d'expérience client. Ensuite, l'autre question, c'est de savoir ce qu'ils pensent de l'intégration d'un SLA dans le processus de satisfaction client. Souleymane,
Oui, je peux répondre à cette question. Bien entendu, moi, mon avis, le SLA, il est naturellement intégré dans le processus d'évaluation du niveau de satisfaction que le client fait à l'issue de l'interaction qu'il a eue avec l'entreprise. Le SLA, globalement, comme on peut le définir, c'est globalement l'engagement que l'entreprise prend vis-à-vis du client par rapport à un service que le client vient demander à l'entreprise. Notamment, le client, il soumet une réclamation parce qu'il n'est pas satisfait d'un service. Ben, l'entreprise, naturellement, prend un engagement en lui disant « Monsieur, on va traiter votre réclamation, mettons, en 48 heures. Ben, » 48 heures après, le client, on le contacte. Il n'est pas contacté, il ne trouve pas satisfaction à son problème parce qu'il n'est pas contacté 48 heures après. Ben, le client fait une comparaison entre la promesse qui lui a été faite dès le départ, qui est le SLA, qui est 48 heures, et ce qu'il constate réellement. Donc, 48 heures après, conseiller clientèle ne m'a pas répondu alors qu'il a dit que mon problème serait solutionné 48 heures après. Du coup, lui, il va commencer à marquer une insatisfaction parce que l'engagement qu'on a pris vis-à-vis de lui, qui est de 48 heures, qui est lui, son SLA n'a pas été respecté, je l'ai dit. Voici un peu comment est-ce que je peux répondre à cette question. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Ok, la question sur les bornes, je pense que Karine avait répondu à ça, ou Ekata, je ne me souviens plus. Est-ce que les expériences clients peuvent être les mêmes d'un pays à un autre? Je pense que Karine avait répondu un peu à ça en disant que, et Gerlix aussi, que l'expérience client est personnalisée et qu'elle prend en compte un peu les contextes et les réalités, ainsi que les besoins et les demandes des clients. Si quelqu'un veut répondre plus en ampleur sur cette question. Yacine, oui. Je voulais juste donner un exemple sur cette question pour illustrer que l'expérience client est vraiment culturelle, il dépend des régions. Il y a une semaine, j'ai échangé avec un ami sur tout ce qui est service proposé par les vols low cost en Europe, notamment EasyJet, Ryanair. Pour ceux qui ont l'habitude d'y aller, de prendre ces vols, vous verrez que c'est vraiment un strict minimum qui est proposé comme service dans ces vols. Contrairement à l'habitude que nous avons au niveau de l'Afrique ici, lorsque tu prends un vol, tu t'attends à être choyé et avoir un repas vraiment assez copieux dans le vol compte tenu du prix que tu payes. Ces gens de compagnie, ils auront probablement un peu de mal à décoller au niveau de l'Afrique parce qu'on n'a pas encore cette culture de prendre l'avion et puis de ne pas avoir tout ce service embarqué à l'intérieur. Alors qu'en Europe, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fait et qui est accepté. Donc, voilà, c'est un exemple d'expérience client qui est différente d'une région à une autre et qui marche en fonction des sensibilités des personnes. Merci beaucoup. C'est un très bon exemple, en effet. Prochaine question. Comment peut-on mesurer le churn, sachant qu'un client peut être très satisfait et ne plus faire d'action d'achat pendant un bon moment? Bonne question. Yacine, je vais peut-être continuer. Rapidement, je pense que l'un des outils importants qu'on utilise pour mesurer vraiment la satisfaction client sur toute la chaîne, c'est ce qu'on appelle le Customer Effort Satisfaction. Je pense que c'était marqué dans l'un des slides ici. C'est l'effort que le client fournit pour avoir le service. Donc, si le client, il a le service à la fin, mais s'il a fourni un gros effort pour avoir ce service, il ne va plus revenir parce que il juge qu'il n'a pas payé un tel prix pour un service qui n'est pas à la hauteur. Donc, il faut pouvoir mesurer cet indicateur-là pour avoir une idée de qu'est-ce qui peut entraîner un client à partir. Et vous verrez que dans la chaîne du parcours client, il y a eu des moments où la prise en charge n'a pas été faite correctement et qui a impacté l'expérience du client. Donc, il le pousse vers la sortie. Voilà. Okay. Pour ajouter quelque chose, si possible. Donc, effectivement, je pense que tout à l'heure, c'est Écartin lui-même qui disait qu'il n'y a pas que ces indicateurs-là.
Effectivement, il faut mesurer l'effort que le client fournit, mais il y a aussi autre chose. Le temps de traitement, le temps d'attente du client, donc tous ces éléments-là permettent au fil de l'eau de savoir effectivement l'effort que le client a fourni et si on est en train de délivrer une bonne qualité de service étape par étape durant tout le parcours du client. Voilà ce que je voulais rajouter rapidement. Ok, merci, Jardix et Cartin. Prochaine question. Ok, elle est spécifique à Orange. J'aimerais savoir si possible, puisqu'il y a un représentant de Orange, comment de façon concrète Orange arrive à mesurer le taux de satisfaction et le taux d'effort. Je pense que Karine avait déjà répondu à cette question. Hein. Il y a tout ce qui est enquête à froid, à chaud. Il y a les sondages qu'on fait également au niveau de nos agences lorsque le client, lorsqu'il n'y a pas de bonne qui reçoit l'enquête de satisfaction sur son téléphone. Donc, ces sondages-là sont faits régulièrement au niveau de nos différents points de contact, même sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ont eu l'habitude d'utiliser peut-être le chatbot, ils ont dû remarquer qu'à la fin de la conversation, il y a une petite enquête qui est initiée, qui permet au client de donner ses impressions. On a aussi la possibilité au niveau d'Orange sur nos différents portails, notamment le site Orange, et envoyer tout ce qui est impression, tout ce qui est recommandation, tout ce qui est voix du client. Donc, ce sont sur ces différents canaux-là, ces différents outils qu'on utilise pour collecter la voix du client et mettre en place des programmes d'amélioration continue. Il y avait même un sondage dans l'application Orange et moi ou Orange Monnaie dont a parlé Cartin qui vont être lancés cette semaine pour savoir et pour faire le point avec ce que dit Gerlix. Là, on ne va pas demander la recommandation, on va demander l'effort score. On va demander au client d'évaluer l'effort qu'il a dû faire pour utiliser cet outil. Voilà. Est-ce que c'est simple ou compliqué à utiliser? D'abord, on lui demande est-ce qu'il a réussi à faire ce qu'il voulait, oui, non. S'il nous dit non, ben, on lui demande ce qu'il voulait faire, on essaie de comprendre pourquoi il n'a pas trouvé. Et si en plus il nous dit oui, on lui demande si c'était simple ou compliqué. Et en fonction de ses réponses, on change les parcours clients, les designs de nos applications, les boutons. On fait aussi de ce qu'on appelle de l'A-B testing. On met deux pages et on regarde là où on a le plus grand succès, le plus grand nombre de retours positifs de nos clients. Donc, on a, si vous voulez, on a un arsenal, je vais le dire comme ça, de moyens qu'on utilise en fonction des besoins, des canaux pour collecter la voix du client. Mais on a des choses récurrentes, c'est ce qu'on disait avec Cartin, c'est nos sondages à chaud, à froid, c'est du récurrent, ça fait des années, on continue. Mais on enrichit notre protocole au fur et à mesure. Alors, Yacine, si tu me permets, alors, si tout a été dit, je préfère quand même, puisque la question est revenue, ça veut dire qu'il y a peut-être un point d'ombre. Je vais peut-être, en une ou deux minutes, retracer rapidement le parcours et savoir quand est-ce qu'on mesure. Je vais prendre un exemple très simple d'un client qui se rend dans une agence. À la fin du service, il reçoit donc un message dans lequel on lui demande, n'est-ce pas, de mesurer, de donner autant pour moi son impression suite au service, n'est-ce pas, auquel il a souscrit ou l'achat qui a été fait. À ce moment-là, il a le droit, il a la possibilité de répondre soit par SMS, soit par USSD, n'est-ce pas, soit via un lien web. Dans ce cas, c'est totalement gratuit, ce n'est pas lui qui donc va payer. Ensuite, il peut aussi répondre par WhatsApp, il peut répondre par Messenger. Tous ces canaux-là sont à sa disposition. Alors, dans notre processus, et c'est ce que Orange fait d'ailleurs, lorsque le client ne répond pas 24 heures ou 48 heures après, vous êtes capable de définir tout ça, on lui envoie donc un SMS de rappel ou on lui envoie un autre rappel par le canal qu'il aura choisi, son canal préféré. Et pour en revenir à la question des personnes analphabètes, lorsque le client s'est une fois rendu en agence ou a dit au téléphone à un conseiller où on a ressenti le besoin de changer la manière de communiquer parce qu'il était analphabète, on peut donc automatiquement changer le canal pour mesurer la satisfaction du client. Et dans ce cas-là, ce sera soit un appel téléphonique direct, soit l'utilisation d'IVR intelligent dont Écartin a parlé tout à l'heure, où on est capable directement en langue locale, on le fait déjà d'ailleurs au Sénégal, on a la possibilité de le faire en Wolof, ou au Cameroun, en franc, n'est-ce pas, on a la possibilité de mesurer la satisfaction en langue locale. Et même là, lorsque le client donne son ressenti, une semaine ou deux semaines après, on est capable donc, s'il est détracteur,
pour faire ce qu'on appelle le close of the loop. On s'assure donc si le client a toujours cette bonne impression ou a toujours cette mauvaise impression en mesurant donc en boucle donc sa satisfaction par rapport au service ou par rapport à une interaction. Et je rappelle que l'interaction dont on parle n'est pas forcément en agence. On en a beaucoup parlé, mais l'interaction peut être aussi totalement digitale, c'est-à-dire que ça peut être juste un achat en ligne ou bien ça peut être la visite du site web. Je n'ai pas pu retrouver une information. Dans ce cas, on peut lancer des campagnes ponctuelles de mesure de satisfaction client. Donc, on peut mesurer la satisfaction client à tout moment. Je tenais juste à revenir là-dessus puisque la question est revenue, je pense, une ou deux fois déjà. Merci. Merci. Merci, Jean-Lix. Alors, la question suivante, OK, elle s'adresse, je pense, à Souleymane. Le concept définitionnel de Koulibaly nous conduit à comprendre qu'une bonne expérience client constitue une bonne unité de positionnement, mais l'absence d'une veille ne constitue-t-elle pas un obstacle? Alors, OK, mais bien entendu, si on veut évoluer dans un environnement concurrentiel et on veut s'améliorer en continu, il faut bien entendu qu'on prenne en compte la veille concurrentielle, qui est un élément véritablement important qui nous permet de pouvoir de benchmarker, de pouvoir nous étalonner par rapport à tout ce qui se passe dans notre environnement, notamment pour pouvoir nous améliorer et créer des solutions, du moins qui pourraient nous permettre d'être plus, je dirais, compétitif et plus qui pourrait plus porter sur la satisfaction de nos clients. Donc, la veille concurrentielle, naturellement, moi je dirais, elle ne constitue pas un obstacle, mais bien entendu, elle est importante parce qu'elle nous permet de nous étalonner et de benchmarker sur les solutions qui sont, ou du moins à la pointe, qui pourraient nous permettre de converger, de garantir une satisfaction et une expérience client durable en fait. Merci, Souleymane. Je t'en prie. Prochaine question. La pandémie de la COVID-19 a permis de mettre à nu certaines insuffisances de notre société. La question est de savoir, est-il envisageable que les interactions physiques avec les clients laissent place aux interactions virtuelles avec les outils digitaux, voire même que cela soit permanent? Alors, je vais prendre la question. Oui. Déjà, il faut noter, dans la plupart des cas, pour reprendre les plans de reprise d'activité de la plupart des entreprises, notamment les grandes entreprises, on constate quand même qu'il y a de moins en moins d'interactions humaines. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la venue de tout ce qui est intelligence artificielle, c'est vrai qu'il y en aura encore de moins en moins. Bon, jusqu'à dire qu'il y aura une disparition complète d'interactions humaines, je ne pense pas que ça soit forcément pour tout de suite, mais on en arrive déjà. Tout à l'heure, on a parlé de l'agence Smart Store, dans laquelle on pouvait donc, de façon vocale, déjà émettre des requêtes, n'est-ce pas, et se faire servir sans forcément avoir déjà à rencontrer un conseiller. Donc, il y a plein de choses qui se font en digitalisant les process. Mais est-ce que c'est pour tout de suite le 100% digital? À mon humble avis, je ne pense pas. Merci, Jarry. Question suivante. Quels sont les CRM que vous supportez déjà? Est-ce que la question est claire? Elle n'est pas très claire à mon niveau. Merci, on ne vous entend pas. Vous m'entendez? Oui, j'entends. Oui, la question c'était quels sont les CRM que vous supportez déjà? Ben, je pense que c'est pour IQ, parce que nous, je pense que c'est pour Jarlix la question. Ah, pour nous. Alors, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, nous avons carrément un département innovation qui s'occupe de l'intégration avec la plupart des solutions existantes. Notre objectif, c'est de nous greffer automatiquement, quelle que soit la plateforme que vous avez.
C'est dans ce cadre-là qu'on travaille notamment avec tout ce qui est Microsoft Dynamics actuellement. On travaille avec tout ce qui est Odo, CRM, et on va dire la majorité des CRM. Il faut dire qu'on publie donc des API qui nous permettent de dialoguer sans difficulté avec la plupart des plateformes existantes. Donc, la question de avec quelle plateforme nous travaillons déjà ne se pose plus vraiment. Nous n'avons eu jusque-là aucune difficulté à intégrer nos systèmes avec les plateformes existantes CRM chez nos clients. Merci, Gerlix. On va prendre une dernière question. Est-ce que la protection des données à caractère personnel est prise en compte lors de l'exploitation de la solution de reconnaissance faciale? Alors, je ne sais pas si Gerlix, vous avez une solution de reconnaissance faciale? Oui, bien sûr. Tout à l'heure, je parlais donc de la solution qui nous permet de faire du comptage de flux, n'est-ce pas, de la reconnaissance faciale pour savoir donc quelle est l'émotion, la perception du client lorsqu'il est au contact d'un produit. Ça permet généralement de savoir quels sont les produits qui ont une très belle influence sur les clients lorsqu'ils passent dans un espace. Donc, effectivement, j'utilise ces solutions et j'ai même parlé de la corrélation de cette solution et notre solution d'affichage dynamique tout à l'heure. Alors, effectivement, vous savez, pour toutes les solutions, pour tous les projets, autant pour moi, qui nécessitent l'implémentation d'une solution de reconnaissance faciale, nous travaillons avec les autorités de régulation et les organismes tels que l'ANSSI. Il faut déjà savoir que les données ne sont pas stockées chez nous, les données transitent, et bien sûr, on vérifie que toutes les données sont cryptées. Il y a vraiment plusieurs protocoles de sécurité qui sont mis en place, plusieurs tests autant pour moi, de bout en bout sur toute la chaîne, pour se rassurer qu'à aucun moment on ébranle la confidentialité de ces données-là ou que quelqu'un puisse usurper de son identité pour avoir accès à ces données-là. Donc, l'entreprise elle-même qui accueille notre solution s'occupe d'investiguer. Nous-mêmes, nous définissons donc un plan de sécurité global, n'est-ce pas? Et ensuite, on s'accroche à plusieurs autres entités telles que l'ANSSI, telles que les autorités de régulation, qui valident d'abord tout ce que nous mettons en place avant de mettre les solutions en production. Voilà ce que je peux rajouter sur ce sujet. Merci, Gerlix. OK, il y a d'autres questions, mais malheureusement, compte tenu du temps, on ne pourra pas toutes les parcourir. Je pense qu'on pourra envoyer des réponses selon les panélistes qui sont concernés pour que tout le monde ait une réponse à sa question. Donc, par souci de temps, je pense qu'il nous reste 5 minutes. Je vais d'abord rappeler quelques points clés de la discussion et ensuite permettre aux panélistes de donner leur mot de fin. Mais avant cela, j'aimerais rappeler à tout le monde que, tout comme nous avons mis l'accent sur la voix du client aujourd'hui, nous aimerions entendre votre voix par rapport à la qualité du webinaire et ce que vous en avez pensé. Donc, on vous envoie le lien pour un sondage très rapide afin que vous nous donniez vos avis. Juste très rapidement, ce que moi je retiens, c'est que l'expérience client aboutie doit avoir une culture et une orientation client. Donc, mettre la satisfaction du client au cœur de toute stratégie. Il faut démystifier l'investissement, comme dit Gerlix, en expérience client. Donc, ce n'est pas tant un montant donné qu'il faut s'approprier, mais plutôt se donner les moyens de répondre aux besoins des clients et de les satisfaire. Et surtout de pouvoir mesurer les retours en faisant des business cases, comme l'a dit des business cases à moyen terme, donc d'attendre d'avoir des retours sur 3 à 5 ans plutôt que d'avoir une vision à très court terme. On a beaucoup parlé de la digitalisation qui est l'enjeu aujourd'hui. Donc, les solutions et les outils omnicanal qui permettent recueillir les avis et les expériences des clients sur tout le parcours.
et enfin la voix du client. Donc, comme je viens de le dire, c'est très important pour vous, lorsque vous, à la fin de votre expérience, de donner vos avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ça permet à l'entreprise d'améliorer l'expérience et surtout de vous satisfaire. Pour conclure, je vais demander à chacun d'entre vous de donner son mot de fin, en commençant par Karine, ensuite Écartin, Souleymane et Jarlix. Merci à tous. Enchantée d'avoir pu partager ce moment avec vous. Je vous souhaite une belle expérience client. Répondez au petit sondage de Yacine. On a toujours besoin que nos clients internes, externes répondent à notre voix du client. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Dites-nous ce que vous avez pensé. Comme ça, on s'améliorera pour la prochaine fois. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Et prenez soin de vous par ces temps qui sont encore pas tout à fait normaux. Merci, Karine. Écarte. Oui, à la suite de Karine, c'est vraiment le merci que je voudrais adresser à toute l'équipe de Redcom. La notion d'expérience client, elle est importante parce que quand j'ai vu le thème, je me suis dit, mais en fait, c'est ne pas investir dans l'expérience client qui serait suicidaire en fait pour l'entreprise. Parce que l'expérience client, c'est un levier de rentabilité, de croissance, mais aussi c'est un booster de trésorerie. Quand votre client est content, on a l'habitude de le dire, quand le client il est content, il paye content. Donc, il n'y a pas de raison qu'on lésine sur les moyens pour investir sur l'expérience client. Voilà, donc on attend vos retours au niveau des sondages également pour que les prochaines fois soient meilleures qu'aujourd'hui. En tout cas, excellent après-midi à tous également. Merci beaucoup, Écartin. Souleymane? Ok, merci Yacine, merci Redcom et merci à tous les spectateurs. Moi, je dirais pour conclure hein, qu'il n'existe pas d'expérience client. Je dirais une histoire d'expérience client réussie sans culture client forte. Donc, ce que je propose qu'on fasse à tous les spectateurs et à nous tous, donc, c'est qu'on puisse, je dirais, travailler à faire véhiculer au sein de nos entreprises cette culture client qui puisse nous permettre de pouvoir faire vivre à nos clients des expériences incomparables. Merci et bonne soirée à tous. Merci Souleymane, Charlie. Merci. Et déjà, je remercie du fond du cœur hein, tous les participants qui sont manifestés, je crois bien, par centaines, en particulier les managers de l'expérience client. Nous sommes aujourd'hui très honorés de constater que nos longues années, je vais le dire, de sensibilisation autour de l'expérience client portent enfin leurs fruits. Donc, il faut que le client soit désormais quand même au cœur, n'est-ce pas, de toutes les activités, de toutes les décisions. On l'a dit, c'est pour une question de survie. Il faut que ça se fasse dans les faits. Vous le constatez avec moi, beaucoup d'entreprises prônent l'expérience client sans réellement dans les faits, donc prendre en compte ce volet-là. Je tiens à noter que Redcom se tient prêt à vous accompagner pour le faire. Encore une fois, je pense que vous avez le budget pour le faire. Vous voyez tout à l'heure, Karine disait qu'elle est responsable de la digitalisation et de l'expérience client. Vous avez investi dans la digitalisation, alors vous avez les moyens d'investir dans l'expérience client. Donc, on se tient prêt pour vous accompagner. N'est-ce pas, n'importe quel membre de notre équipe. Je tiens aussi à vous remercier, Yacine, pour avoir avec brio modéré ce panel. Je voudrais aussi remercier toute l'équipe Rightcom derrière, Fernand Jaosu, Adetoya Adessi et tous les membres qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce webinaire. Donc, répondez à notre sondage, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup encore à tout le monde, à tous merci. Ceux qui nous ont rejoints de partout dans le groupe. Merci aux panélistes pour les échanges très instructifs et agréables. C'est le premier webinaire de Redcom, mais il y en aura plusieurs autres afin de continuer de discuter de cette importante thématique qu'est l'expérience client. Il y aura des focus divers. On va donner la voix à différents types d'entreprises et de clients. Donc, merci encore. N'oubliez pas le sondage, s'il vous plaît. Le lien est disponible dans le chat box et sur les différentes pages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer et on se chargera d'y répondre. Donc, le remerciement final est à Redcom pour l'initiative et merci à tous. Prenez soin de vous. Merci.
Merci. Merci. Merci à tous. Merci. À bientôt. Merci à tous. Au revoir, à bientôt.